salut les rocketeurs, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série 1v1. Rappelez-vous, à partir d'hier, on avait décidé qu'on faisait 3 games parce que j'aime trop le 1v1, j'ai envie d'y jouer tout le temps. Et du coup, on est GC2 Division 3, 1260. On est à peu près à mon niveau 1v1, je pense. Là, il faudrait que je progresse pour passer un stade au-dessus. Et on va partir tout de suite pour la game 1 en espérant bien jouer aujourd'hui. J'espère que tout va bien se passer. Allez, game. L'Enimad fan. Bon, la dernière game que j'ai perdue, c'était contre un Smurf. Donc, si je joue contre des gens qui ont vraiment le Elo 1260, ça devrait aller. Logiquement. Je pense que je peux les battre. Oula, il a une voiture horrible. Une voiture horrible avec un chapeau de clown. Ok. Musty. Le Musty dans la lucarne. Et oui, les mécaniques de freestyler, des fois ça aide. Ça aide à marquer des buts. Et celui-là, il est vraiment pas mal. Hein. La vitesse du Musty. Inarrêtable. Inarrêtable. Non, le kick-off. Eh oui, c'est vraiment un faible. Je ne sais pas quoi faire sur les kick-off pour que ça ne fasse pas ça. Ça m'en fout. J'adore qu'il y a les ombres dynamiques, ça m'en fout. Le jeu est un peu trop beau. J'aime bien quand le jeu est moche en vrai. Ça me fait mieux jouer. On va changer ça tout de suite après cet open qui ne sera pas raté. Et s'il est raté malheureusement? Est-ce que ça, cet open là sera raté? Oui. Oui. Deux open ratés, c'est mon meilleur score. Je suis champion du monde d'open raté, j'ai l'impression, dans cette game. Ok, là, celui-là, en vrai, celui-là. Oui, celui-là, il rentre, bien sûr. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais enlever? Ouais, l'occlusion ambulante et les ombres dynamiques. Je ne veux pas qu'elle soit là. Et... qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là 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 là, mécaniquement c'est pauvre. C'est abusé ce qui vient de m'arriver là. Il vient de me décaler ma voiture. Et en vrai, je pense qu'il peut rien faire de dangereux. On va juste fake. Il va toujours tenter des trucs, mais c'est de la merde. Et là, je contrôle. En vrai, je contrôle. Et qu'est-ce qu'il peut faire si je lui mets un flic? Là, je suis déçu de moi parce que vraiment, le mec s'est hyper éloigné. J'avais énormément d'espace et je fais n'importe quoi. En vrai, je devrais tenter plus de airdrip bump là. Là, j'avais vraiment le move pour airdrip bump vu qu'il était assez éloigné. Mais en fait, comme l'airdrip bump, je sais le faire et les flics, je trouve que je suis vraiment mauvais. Bien joué là, il a bien joué de changer de direction. Les flics, je suis vraiment mauvais, donc j'aimerais bien progresser et essayer d'en faire un maximum pendant ma série. C'est pour ça que j'en tente un peu plus que d'air drip bump, alors que l'air drip bump, c'est peut-être plus efficace. D'ailleurs, il va m'en faire un, je pense. Oh, je déteste quand ça fait ça. Je me mets mes roues entre le poteau, là. Ok, j'étais un peu plus fast. Est-ce que c'est but? Je pense que c'est but. Bien joué. J'aurais pu tirer plus fort, mais en vrai ça va, c'est dedans, c'est le principal. Allez, je continue, 3-3, 3 minutes. En vrai, il est pas bon, hein. Je le vois qu'il est pas bon lui. Faut vraiment que je gagne les games comme ça. Reset. Et voilà, inarrêtable ce reset, bien joué. Très content de moi, enfin tout a été propre là, j'ai bien air dribble. J'ai fait une bonne balle pour aller choper le reset. J'ai vraiment tout joué proprement. En vrai, c'est pas si simple d'être propre en 1v1. Parce que c'est ça qui te fait marquer en fait, quand t'es mécanique. Si tu tentes un truc un peu trop. T'es un peu trop de biais ou des trucs comme ça, tu vas avoir plus de chances de rater. Je le démo. Ah là, j'ai trop envie de tenter un clip par contre. Je vais me faire un pogo. Ça a failli passer, hein. Ça a failli être un pogo de fou furieux. Je sais pas comment il la save. Il marque ou pas? Non, il marque pas. Ah merde, la démo. La démo assez chanceuse en vrai. Je pense qu'il voulait pas du tout une démo. Ah, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, mais c'est comme ça. Allez. Oh, j'en ai marre des kick-off. Toujours, j'en ai marre. J'en prends beaucoup trop. J'en prends vraiment beaucoup trop. Ça m'a saoulé, je vais faire un slow.
Je vais faire un slow. Voilà, ça m'a saoulé. Il manque ses buts. Non, il l'a. Quel dommage. Il va tirer direction. Ah non, il a loupé le boost. Il a loupé le boost et ses buts. Let's go. Let's go, ça me met bien. En vrai, en soi, c'est quasiment un kick-off goal. Donc je suis content. Et j'ai joué assez vite, ça l'a surpris. J'ai l'impression que si je vais vite avec lui, il va être perdu. Ok, il kick-off pas. En vrai, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange qu'il kick-off pas. Je déteste les kick-off. Oh, le brise raté. Oh, le brise raté. Et... je crois que c'est pas but. Qu'est-ce que je fais de cette balle? Prendre ce boost là. Et là il est un peu dans la merde en vrai. Il va tirer direct. Soit il tire direct. Soit il a rien de bien. Ouais c'est but ça. Hein. Il fait n'importe quoi. Hein. Je sais pas s'il est en train de troll ou s'il est vraiment mauvais, mais j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Là il y a aucune chance qu'un reset passe. Hein. Aucune chance. Allez. Non. Ok ça va, j'ai réussi à la save, mais j'ai absolument zéro de boost, ça va être très compliqué. Il va tirer direct je pense. Et j'ai réussi à la save. Pour l'instant il fait des offensives pas très puissantes, pas très fortes, pas bien joué. Il va encore reset. Ouais j'ai réussi encore à la save, mais je suis RW9 ou quoi? Ça défend hein. Mais c'est fou, c'est fou ce que je produis. Oh il est dégoûté. Oh il est dégoûté et il own goal. Non. Est-ce qu'il a own goal? Oui il a own goal. Oh let's go. Je suis trop content. Incroyable ce qui vient de m'arriver là. Triple défense. Et il own goal. Doit trop avoir le seum. Hein. Oh oui j'espère que c'est but. Non c'est but pour lui. Putain. J'étais mauvais je pense. En vrai j'étais mauvais. Je pense qu'avec un kick-off comme ça je dois marquer. Mais j'ai assez mal joué, c'est pas grave. Allez, pas un deuxième. Ok. Pas mal en vrai, je récupère la balle. Oh, il arrive. J'ai fait le pire challenge. Je me fais comeback comme une merde. Sur des kick-offs. Je savais pas qu'il était là en fait. J'étais surpris de le voir arriver de mon but en fait. Je savais pas qu'il était là du tout. C'était... enfin, en fait, si je décidais de... de partir devant, je sais pas ce qu'il aurait fait en fait, j'aurais eu un open. Trop mal joué. Et on va contrôler. On va faire un hard rate bump. Non, je fais n'importe quoi. Ok, ça va. Est-ce que j'ai le boost? Oui, j'ai le boost. J'ai le boost en plus. Allez, je fais semblant de partir vers le mur alors qu'en fait je tire. On se boost là. Une cut, mais c'est de la merde, je pense. Et oui, monsieur. Et oui monsieur, attention quand même aux talonnades. Ça peut vous surprendre. Let's go. Trop bizarre son gameplay, vraiment. On dirait qu'il a pas anticipé ce qui allait se passer là. Oui, le slow kick-off qui a été excellent. Et je crois que c'est gagné. C'est gagné, putain. Et si ça c'était un but à 0 seconde, j'aurais pas été bien. J'aurais été vraiment pas bien. Et c'est une première victoire qui me régale dans cet épisode. Plus 14, on a gagné pas mal de points en plus. Donc là, on va être à 1270. On peut aller chercher les 1300 hein, si on joue les deux wins là. Merde, j'ai pas dit game de jingle. Game de jingle. Oh, ok, on est contre Aboud. Et Aboud, c'est un vraiment bon joueur. Je pense que ça va être le premier très bon joueur de la série. Donc là, les gars, on va se concentrer un maximum parce que je joue une game de haut niveau. Je le connais, lui. Ok, je peux pas marquer, je pense. Je suis obligé d'aller la mettre sur le mur. À chercher le ceiling. Ouais, c'est trop dur à défendre pour lui. C'est trop dur à défendre. Le ceiling est parfait. J'ai fait vraiment le ceiling shot parfait. Tout est propre. C'est nickel. Allez, 15 secondes. Pas de kick of goal. Je vous en supplie, pas de kick of goal. Ah, j'ai pas le boost. Wow, ça va être un kick of goal. Ok, en vrai. C'est pas ouf ce qu'il fait. C'est pas ouf. Encore un ceiling shot. Et là, cette fois-ci, je vais le fake. Ouais, cette fois-ci, je vais le fake et c'est fort. Et c'est trop fort. Parce qu'en fait, le but d'avant, je l'ai utilisé. Donc, il va se dire, ah, il va faire pareil.
Bah non, je change, j'ai plusieurs cordes à mon arc et je les utilise et ça c'est vraiment fort 1v1. Ok, pas mal ce que je viens de faire. Non, il a pas eu le boost, ça peut me mettre bien. Non. Dis-moi que c'est pas but, il a raté. Non, j'ai encore raté. Il va tirer direct. C'est quoi ça? Il va essayer de me bump. Ok. J'essaie de faire des flics, mettre des balles assez compliquées, il va rush, il va l'utiliser son dash. Ouais, c'était sûr. C'est sûr qu'il n'avait pas utilisé. Je tire direct, ça peut surprendre. J'utilise mon boost pour prendre les pads. On l'élimine. Allez, double tap. Dommage. Je vais avoir ce boost en vrai. Donc ça va. Heureusement que je l'ai eu. Je joue assez bien dans cette game, je suis assez fier de moi. Et lui il joue très mal, donc ça met très très bien ce joueur qui est d'un niveau SSL. En 2v2 je le connais très bien, il est vraiment fort, à chaque fois que je suis en contre lui c'est une galère, c'est du ball chase, il est très fort. Mais en 1v1 apparemment il a un peu plus de mal, après je joue vraiment plus... Enfin je trouve que je joue beaucoup mieux que d'habitude, je suis vraiment concentré. Donc c'est peut-être pour ça, lui il est peut-être en train de jouer un peu en mode chill. Quoi? Non mais je l'ai bougé, on l'a vu sa voiture a bougé. Waouh. Ouais, je bois de l'eau. Allez. Sûrement me rush. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Me rush encore. Non, il fake. Ok. Je reprends ce que j'ai fait, en vrai j'ai pas eu de chance de me faire des mots là. Normalement je l'avais éliminé. Et je prends le boost. Ouais, fake. Ok. Moi que j'ai le boost, let's go. Et c'est but. Et c'est but. En fait je trouve que dans cette game je suis vraiment fort pour conserver ma vitesse. Hein. Vraiment c'est ça qui me fait que je marque ce but. C'est que je fais un dash, je récupère le boost et j'ai toujours la vitesse pour aller chercher la balle. Vraiment bosser ces recovers en 1v1. On sent que c'est important. Je crois que c'est but. Eh oui, il s'attendait pas à ce que je rush. Il s'attendait à ce que je back parce que j'ai pas de boost. Il se fait surprendre. Est-ce qu'il va m'insulter, dis donc? Parce que là, il attend. Non, il m'insulte pas. C'est fou, je suis trop content de tomber contre un mec fort et de m'en sortir comme un chef. On va faire un air dribble. Reset. C'est dommage. Je sais pas si un dribble bump était mieux. Ouais, je peux pas le bump. Dommage. Ok. Waouh. C'est pas but. Let's go. J'ai eu très peur. Il a tiré super fort. Et. Okay. Mon ceiling était pas mauvais en vrai, mine de rien. Là, je sais pas s'il l'a vu que j'allais le bump. Ok. Je pourrais tirer direct. Spawn? Ça spawn pas. On va mourir. Ok. Mal joué là, j'ai voulu infinite dash, j'ai pas réussi. Mécanique aura ma peau, décidément. C'est pas dedans. Ouais, 5-1, une minute, ça me paraît gagné, hein, mais faut toujours rester concentré. Il peut me comeback. Ouais. Ça me paraît pas mal, ça. Non, je peux pas marquer. Mais je peux gagner du temps. Allez. Ouais, je suis content. Let's go. Ouais, je vais attendre. Je vais le laisser défendre. Il rate. Il a tiré direct. Ouais. Pas dedans. Prendre ce boost, il me le laisse, je le prends. Hein. Merci pour le cadeau. Hein. Et oui, monsieur, merci pour le cadeau. Et c'est un 6-1.
Oh, je suis trop content là. C'est ma meilleure game de toute la série, je pense. J'ai trop bien joué, aucune erreur. J'étais trop propre. Je suis trop content. Et on a du coup deux victoires dans cet épisode. On peut aller peut-être chercher le GC3. Regardez, GC2, Div 4. Allez les gars, game 3 jingle. Et on fait la même game, le même gameplay. On est trop content. Si on fait vraiment ça, je serais vraiment trop heureux. Allez, troisième et dernière guerre de cet épisode. Et troisième et dernière game, pardon, de cet épisode. Et on est contre Lido Junior qui est 1300. Le premier 1300 que je croise dans cette série. Et là, ça passe à un autre niveau. Là, on rigole plus. Ouais, là, on rigole plus du tout. Hein. Ça joue, hein. Ça joue de fou dans ces games-là. Allez, on se concentre. On se concentre. Faut pas paniquer. J'ai tendance à paniquer quand je joue contre meilleur que moi. Alors qu'en vrai, si je pensais que c'était un nul, tu vois, peut-être que je l'aurais fumé, tu vois. Je le voyais. Je l'ai vu qu'il allait faire ça. J'ai bien regardé sa voiture. Et... non, je le bump, mais c'est pas mal. En vrai, je garde la possession. Il me rush. Je sais pas si c'est bien de me rush là-dessus. Oh! Et ça, je contre, il peut pas passer. Spawn, ouais. Il va chercher ce boost là. Ouais, il va peut-être chercher un move mécanique. C'est un peu de la merde en vrai, mine de rien. C'est vraiment un peu de la merde. On va aller chercher juste un sailing shot, je pense. Ouais, et là je vais fake. Je lui ai fait croire que j'avais fake et je l'utilise au moment où il me rush. C'est parfait. C'est excellent. Ouais, bien joué. Super. Ok, il fait un fake kick-off. En vrai, ça m'arrange, moi, les fake kick-off. J'ai pas envie de faire de kick-off goal. Si on doit jouer juste au main game, on va se jouer au main game. Prendre le boost là. Hop. Ah, je pourrais pas l'empêcher d'avoir cette balle. Par contre, il va avoir un reset. Qui est assez dangereux, je trouve. Puisque je peux avoir potentiellement un open. Ah, il l'a. Attention, est-ce que c'est open, ça? Let's go! La chatte que j'ai eue, mais ça passe. Pouf, c'était chaud, hein. C'était chaud. Je regarde beaucoup les replays. Je pense qu'il doit être en train de s'énerver. Parce que c'est vrai que ça m'aurait saoulé de prendre ce but. C'est vraiment un but pas de chance. Ok. Non, je peux pas. Ok, je vais prendre du boost. Tac, tac, tac. Oh merde. Il va me mettre un clip mécanique. Il a le reset. Ah, s'il me bump pas, s'il me bump pas, je l'ai. Oh, je suis dégoûté. Et bien joué de sa part. Oh, il avait le reset, j'étais un peu dans la merde. En tous les cas. Ça me dérange pas de prendre un but comme ça en vrai. Par contre, celui-là, ça me dérange un peu plus. Ça me casse les couilles. J'ai beaucoup plus de kick-off goal. Je m'en prends beaucoup plus que j'en mets. C'est un peu frustrant. Non, par contre, là, il me donne un setup là, monsieur. Je me demande s'il m'a même pas donné un open et je l'ai pas récupéré. Ouais, c'est but. Nice, let's go. Merci de m'avoir rush, monsieur. Merci beaucoup. C'est un peu de la merde ton move, on va pas se mentir. Après, si je l'avais pas vu, peut-être que ça m'aurait surpris. Et... je pense qu'il avait juste un problème de timing là. Oh non. Ça me casse les couilles, vraiment, ça me casse les couilles. Là, je gagne sans le kick-off goal, je suis devant. Au score, mais non. Et il est un peu loin, j'ai un peu le temps. Chercher le boost, je pense. Et il va rush. Putain, je voulais le bump, j'ai pas réussi. C'est but ou pas? Trop mal joué, je dois pas le bump là-dessus. C'est beaucoup trop risqué. Je suis en train de tilt, il faut vraiment pas que je tilt. Faut surtout pas prendre d'autres kick-off goal. Ok, il va reset, il va double reset. Je suis dans la merde en vrai. Ok, ça va. J'ai bien regardé ce que faisait sa voiture. J'ai pu la voir. Ok, c'est open. Max, c'est but.
Dis-moi que c'est but, bien sûr que c'est but. Allez, parfait. C'est chaud, hein. C'est pas fini, mais c'est chaud. On sent que je suis un peu en dessous quand même. Balle. Encore une démo. Et c'est open. Parfait. La démo est bonne, je pense. Là, il peut rien. Pas trop l'esquiver, je pense. Ce qui fait une recover comme ça. C'est une bonne démo. Smurf on steal a bot. Je suis pas en train de smurf, monsieur. Je suis plus haut que mon main. Je suis là clairement pas en train de smurf. Je pensais que je suis un mec ultra chaud alors qu'en vrai je suis jamais été aussi haut en 1v1. Ça se trouve là il est en train de full tryhard en se disant waouh mais je suis en train de jouer contre un smurf d'un joueur pro. Alors que pas du tout. Il m'a déconcentré, je suis en train de faire n'importe quoi et là je vais la prendre. Ok ça va, j'ai bien joué. J'ai sûrement joué le boost. Parce que là, moi j'aurais ce boost là. Ouais c'était sûr, je l'ai vu le hard dribble, je l'ai vu mais je savais pas quoi faire. Okay. Ah je pense qu'il y avait un monde où je cadrais et c'était but là. Justice trop mon boost pour rien. Je rush. Ouais non c'est de la merde. Ouais j'ai bien recover, il y a un monde où je la save. Ouais je l'ai. Reset. Musty, mais ce Musty est pas dingue. Le seul moyen de faire une frappe forte est de faire un Musty. Quoi? Non. Dis-moi que c'est but. Let's go. Dis-moi que c'est but, s'il te plaît. Oui, le but. Alors, t'as voulu me bump? Et c'est raté, monsieur. Je t'ai vu venir. Allez. 42 secondes. 42 secondes pour écrire l'histoire. Et battre un mec ultra chaud. Ah, je suis dans une merde les gars, mais je suis dans une merde. J'en peux plus des kick of goal, je vous jure, j'en peux plus. J'en prends trop. J'en prends beaucoup trop. Allez s'il te plaît, donnez-en moi. Ah, j'ai pas de bouche, j'ai même pas de pad. Qu'est-ce que je fasse? J'ai réussi à la save. Ok, je l'ai vu ça, je l'avais vu venir. On fait une double tap, mais ça passe pas. Bon, assez frustrant cette game. Hein. Je pense que sans les kick-off, je gagne la game. Sans les kick-off, c'est moi qui win. Donc j'ai un peu le seum. J'ai vraiment le seum, mais bon, c'est comme ça. Il faut que je m'améliore là-dessus. Hein. C'est vraiment un domaine dont il faut que je m'améliore, mais je sais pas quoi faire en fait. Hein. Je sais pas quoi faire pour m'améliorer. Et en plus, il est toxique. Bon, bah, de toute façon, plus on va monter en elo, plus je pense que plus ça va être toxique. C'est normal. Bon, c'est normal. Moi, je trouve ça pas normal, mais bon. C'est plus t'es fort, plus t'as d'ego, et plus tu vas être dans ce truc-là. Donc, c'est. Ça existe. Il faut faire avec. En tout cas, on grinde un petit peu, peu un peu. Petit à petit avec les épisodes, on a fait 2 victoires et 1 défaite, donc ça monte, c'est bien. Je suis content et j'espère que ça va continuer dans cette allure-là. J'aimerais bien pouvoir être meilleur contre ces joueurs-là, genre être plus en confiance et être moins en difficulté. Parce que là, il a quand même 15 tirs, j'en ai 10. Je pense que je me fais un peu plus dominer, je le sens. Donc on va essayer de s'améliorer là-dessus. Et je vais continuer à jouer beaucoup en 1v1 pour que ça change. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de la série 1v1. C'était Gaspo. Ciao.